Zwei Männer werden gedrückt, sehr bekommen, der Mutter ist nicht gewähnt. Und noch dachte ich, muss er doch nicht der gute Mensch, muss man keinem zu wissen, dass er im Rennen ist, ey, zäh. Ich habe gesagt, am Anze, von dem fünften Tag, von dem Seinbeetler, am Anze, von dem Ballastöltre, mit meiner Heuche. Die Hassen haben die Kinderlecht sehr gebänkt und nehmt von dem Dostgen Heuche, was er denn zum Achai gewesen. Und er soll durch da wohl gewesen, sehr gitzfehlig. Et der Gitter hat kein Wort, und ich bin du. Das ist der Letzte, die Kohle hat von Nippen, Schach, mein Amor. Tout ce qui est blancheur, ça vient du cerveau. Rinak Moslim, min Lebanon, min Libuna de Mocha. Donc on a dit hier, ça vient du Lebanon, c'est-à-dire ça coule du Liban, mais Lebanon ici, c'est la chaîne de Laval, c'est-à-dire la blancheur du cerveau. Validé Tikuna Klali. Tikuna Klali, ta guidine, trouve même à Mochin. Donc maintenant, quand quelqu'un il fait la réparation générale des guidines, c'est-à-dire qu'il fait Tikuna Brit, il élève le cerveau, mais Prinat Keneger Yair Kino. Comme l'aigle qui va élever, qui va réveiller son nid. Nishra Darucha. Donc on a dit que le Necher, c'est quoi l'aigle? C'est le souffle. Shukraliut Agidin, qui est la généralité de tout le système sangha. Le Prinat Velokama Od Ruach Be'ish. Comme c'est écrit, qu'il ne s'est pas levé un souffle encore dans un homme, c'est-à-dire il n'y a pas un homme qui a eu l'initiative de faire quelque chose. Ya'ir Kino, c'est-à-dire qu'il réveille le nid, Shoumeorer Kne Chokma Kne Bina, c'est-à-dire il va réveiller la Chokma et la Bina, Miprinat Shena, il va les réveiller de leur sommeil. Al Gozala Virachef, donc on a réveillé ici hier. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il va réparer, nettoyer le système sanguin, ça va faire que le cœur, il va avoir un souffle dans le cœur, et ce souffle, il va commencer à faire vivre le cerveau. D'accord, après, ça s'appelle de quelqu'un de vivant. C'est-à-dire que quand le cerveau, il est vivant, c'est-à-dire il marche, ça s'appelle quelqu'un de vivant. Maintenant, si le cerveau ne marche pas, ça s'appelle que l'individu n'est pas vivant, vraiment. Parce que tout ce qu'il sait, c'est pas avec son cerveau, comme je vous ai dit hier, c'est tout de l'enregistrement émotionnel. C'est-à-dire, il a cinq sens. Il y a la Torah, il y a Hamisha Chumshe Torah, d'accord. Il y a cinq Chumashim dans la Torah. Et il y a cinq lobes aussi dans les poumons. Il y a cinq lobes des poumons. Il y a des petits aussi dans les poumons. Ok, les poumons, ils soufflent sur le cœur. C'est la Torah qui donne le souffle, qui donne le souffle à l'homme. Maintenant, si un homme, son cerveau ne marche pas, c'est-à-dire que son cerveau, il n'est pas réveillé par le cœur, alors lui, avec quoi il vit? Il vit qu'avec le foie et le cœur, c'est tout. C'est-à-dire le foie, il prend du sang, il mange, il prend du sang, de l'argent, il prend des choses, et avec ça, il envoie dans le cœur. Et le cœur, il a des plaisirs ou des désirs. Mais maintenant, le cerveau ne marche pas. C'est-à-dire que lui, il se nourrit que des cinq sens. Pour lui, sa Torah, c'est ses cinq sens. Il a l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goûter. Voilà, c'est Hamisha Chumshe Torah. Lui, quand on lui amène quelque chose, c'est ou quelque chose qu'on peut toucher, ou on peut le manger, ou on peut le sentir, ou on peut le voir, ou on peut l'entendre. C'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est tout ce qui existe. Parce que c'est quelqu'un qui s'est construit par rapport à ce qu'il a vécu dans le monde. Et dans ce monde, il n'y a rien d'autre que les cinq sens. Qu'est-ce que tu peux trouver d'autre sur Terre? D'où tu vas apprendre sur Terre? Tu vas apprendre qu'avec les cinq sens. Et tu vas dire, ah non, mais messieurs, qu'est-ce que vous dites là? La Bibliothèque nationale, il y a 2 millions de livres, d'accord? Ces 2 millions de livres, ils ont été écrits par des gens qui ont touché avec leurs sens le monde. Soit ils ont vu, soit ils ont entendu, soit ils ont goûté, soit ils ont touché. Ils ont cinq sens, voilà leur Torah. Le Hamisha Chumshe Torah, il est fait avec les cinq sens. Donc ce sont des accumulations d'expériences sensibles, émotionnelles. Maintenant, ces expériences-là, elles ont été stockées par des milliards et des milliards d'expériences avec les cinq sens. Et maintenant, quand quelqu'un, il a un programme où il sait gérer cette base de données de résultats émotionnels, alors ça s'appelle quelqu'un qui est très intelligent.
Merci. Parce qu'il a une rapidité dans la gestion.